Donc le premier rang est fait. On a placé la laine dans le pied de fil et avec notre laine qu'on va retirer à la fin, on va faire au moins 4 à 5 rangs comme ça. Voilà. 4. Et 5. Voilà, arrivé à 5, on coupe notre laine. Passer là. Et on va simplement ajouter notre laine blanche, la laine du projet. Et on va tenir un petit peu comme ça, juste pour le premier petit tour. Après, on y va. Et j'ai oublié de mettre mon compteur à 0. Je vais le mettre maintenant. J'ai 2 rangs. J'enlèverai 2 rangs à la fin. C'est pas grave. On tourne comme ça. Et attachez pas les deux bouts. Attends, je vais le montrer mieux là. N'attachez pas ceux-ci ensemble parce que tu as la laine que tu vas enlever à la fin. Ça va te donner de la difficulté. On continue. Besoin de 35 rangs pour la première partie. 35. Je voulais faire 35, mais finalement, je vais faire 30 pour le... On enlève notre laine du guide-fil et on a besoin d'un crochet. Je prends un numéro 3. Mais si vous avez un 4, vous prenez un 4. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le point, comme ça, avec mon petit crochet. Et je vais passer le crochet dedans. Faire une maille. Je vais faire la même chose avec le prochain. Je passe ma laine dedans. Voilà, fais une maille. Comme ça. Un. Et deux. Oups. Faites attention parce que moi, ma laine se défile. Voilà. Elle se divise, elle défile. Voilà. Sept de retirer. Continue la même chose. J'espère que vous voyez bien, que je me mets pas trop les mains devant. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 et on fait un 13e. Voilà. Le 13e, un coup fait. Oh, la laine n'est pas tombée par terre. On va l'étirer un petit peu comme ça. Oups. J'ai été trop vite. Attends, je vais juste remettre mon point sur le crochet. Et je voulais faire 13, mais finalement je vais faire 14 pour pas perdre mon point. Et là je vais prendre celui-ci, le 14e, et je vais le mettre sur par-dessus. Fait certains qui rentrent dans les dents. Tire un petit peu sur la laine. Voilà. Et finalement, j'en ai 14 au lieu de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça. Et on va faire attention pour que les points restent. Ça a fonctionné. On est bon. On va doucement. La laine est là devant, donc on va remonter les points derrière, devant, derrière, devant. Voilà, lui va être derrière, on va le mettre ici comme ça. Et on va continuer notre travail. Prenez votre temps quand vous arrivez ici pour faire certain que les points ne tombent pas. Et non, ça va. Ah, j'en ai perdu un. Puis je vais aller chercher. Ça arrive, ça fait... C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On va chercher, on le remet sur notre crochet. Et... ça, mais sous la bosse rouge. Attends. Sous la bosse rouge, comme ça. Comme ça. Là. Et notre ouverture est finalisée et complète. Je vais faire des petits changements. Je fais 30. Maintenant, on va mettre notre compteur à 0. J'ai fait 1, 2, 3 rangs. J'enlève les 3 rangs à la fin. On continue comme ça pour 70 rangs. Je suis rendue à 75. Et comme tout à l'heure, au lieu d'enlever au premier crochet, je vais perdre un point. Alors, j'ai commencé le premier blanc après le dernier noir. Eh bien, je vais faire la même chose. J'ouvre. Et je vais tourner ma manivelle pour pouvoir récupérer le point ici. Avec mon crochet numéro 3. Comme ça, premier point d'enlevé. Deuxième. 1 et 2. Je vais vous redonner les mesures par la suite. L'important présentement, c'est de regarder la vidéo pour bien comprendre les étapes. Là, on est en train de faire la deuxième ouverture parce que notre cagoule est double, plus chaud pour les tout petits. Voilà. On a enlevé 14 comme tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va vers le 10 avec notre crochet. On récupère tous nos points comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est quand même assez complexe de garder un œil sur la caméra et en même temps retirer les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, on arrive au dernier. Quatorze, le petit dernier. Bon. Je vais retourner un tout petit peu parce que justement je ne veux pas perdre le point comme tout à l'heure. En fait, je vais poser mon point sur le voisin. Faites attention, pas perdre les points. Un petit toc et on devrait être bon. On regarde pour ne pas perdre nos points. On arrive ici, on va être doucement. C'est sûr qu'on ne perd pas les points. Okay, et on regarde ici le filet devant la noire. On ouvre. C'est-à-dire qu'il faut continuer derrière pour remonter nos points. Comme ça. Remonter nos points. 12 doucement. Voilà. Comme ça. On pousse. Et on est bon. On fait quand même attention tant qu'on arrive au dernier. Bien sûr, on ne perd pas rien. Voilà. Tout s'est bien passé cette fois-ci. Et ici, ça va. Hey, c'est parfait. Wouhou! Bon, je remets mon compteur à 0. 1, 2. Et on va aller en chercher 30, comme ça. J'ai perdu un point? Non, c'est correct. J'en fais 30. Oh, j'ai plus de laine. Je vais me mettre d'autres laines. Almost time to remove. Machine, we have 28, 29, 30. So it's time to cut it from the machine. Cut the yarn, and with the yarn needle, I will go pick up every stitches. Stitches from the machine after the tail here. Okay, that's one of the way I always use. So I remove each stitches one by one. Bon, on est arrivé à la fin, on a enlevé notre laine de la machine. Et on va faire comme quand on ferme un bonnet. On va ramasser avec l'aiguille à laine les points comme ça. Et on va faire un double nœud pour retenir tout ça ensemble. J'ai fermé un côté comme un bonnet. J'ai rendu à l'autre côté, je vais faire la même chose. Je tire sur la laine comme ça. Et je suis certain de pousser un peu ma laine. Pour pas que ça s'aille tout en petit tapon là. Et ça se coupe pas bien après ça. On est rendu, on a attaché les deux extrémités de notre baklava, notre cagoule. Et là, on se retrouve avec les deux ronds qui vont être au niveau des yeux et du nez de votre enfant. Voilà. Et pour résumer, après plusieurs tentatives, j'ai fait 30 rangs. J'ai fait une ouverture de 15 de large sur les points, 80 rangs et une autre ouverture de 15 de large sur mes points et pour finir avec un autre 30 rangs. Voilà ce qu'est mon baklava, ma cagoule. Voilà. On est rendu à l'étape. Pareil comme quand on fait un bonnet, comme ça, on rentre la main dedans et on va aller, pas là dans le trou, mais on va aller trouver l'autre extrémité comme ça. En même temps, ça va vous faire un... L'enfant aura un protège-cou chaud. Voilà. Et on va faire au crochet maintenant. Et là, je suis rendue à l'étape d'attacher mes deux centres. Le centre à l'intérieur, première partie avec l'autre centre comme ça pour pouvoir attacher les deux extrémités ensemble. Je suis rendue à l'étape d'attacher mes deux ouvertures ensemble pour faire une belle finition. Et je vais faire ça à l'aide d'un crochet numéro 4. Je vais faire mes points tout le tour en faisant bien sûr de bien prendre les deux ensemble comme ça. Voilà. Certains, vous attrapez les deux côtés comme il faut pour pas que ça fasse de trous. Comme ça. This is okay, don't worry for that. I'm gonna hide it after. So, finish. Fini. Voilà, vous avez votre double épaisseur baklava, une cagoule pour le ski, fait avec AliExpress King Size. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne soirée, bye bye et bonne année!